Bonjour mesdames et co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Saint-Nazaire en France après un magnifique voyage au Québec avec Christelle. Bonjour. Salut Lilou. Ça va ? Écoute, ça va très très bien, heureuse d'être avec toi. Ouais, puisque nous sommes toutes les deux quand même presque des Nantaises. Hein. Presque, moi je suis d'origine normande mais ça fait un bon moment que j'habite sur Nantes, donc ouais, on peut dire ça aussi. Alors je peux dire que tu es une des délicieuses co-créatrices puisque tu regardes les vidéos, en même temps tu es naturopathe et là tu as eu des belles synchronicités, des belles choses qui sont en train de se passer dans ta vie. Et quand tu m'as envoyé cet article qui a été publié dans Santé Magazine sur la micronutrition, non sur la chrono... La chrononutrition. Voilà, je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que cette chose, j'ai jamais entendu parler de ça. Je sais que tu t'intéresses au travail de Marion Kaplan, j'ai vu que tu postais des choses sur tes blogs, etc. Tu es active, tu es à la recherche, tu découvres, tu aides les autres. C'est fantastique tout ça. Oui, bah, le but, si tu veux, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à travers toutes les informations là, que je mets sur les blogs ou de travailler avec Santé Magazine et de donner des conseils, c'est vraiment de rendre les gens autonomes, tu vois, de leur, voilà, de leur donner des éléments qui vont pouvoir les aider au niveau de leur santé, de leur bien-être physique, moral, vraiment de pouvoir apprendre à se connaître et d'avoir les bons réflexes sans être toujours dépendant du naturopathe ou de quelqu'un d'autre, quoi. Donc oui, il y a Santé Magazine qui est tombé sur mon blog et qui m'a demandé si je voulais participer à la rédaction d'un article qui portait sur le surpoids selon les âges de 20 à 50 ans, en fonction de l'âge, de la morphologie. Et donc, du coup, j'ai participé à ça. Donc, la chronobiologie, parce que tu me posais la question, c'est de bien manger au bon moment. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de surpoids, le souci, ça va être, on va toujours penser à la privation. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me prive de ce que j'aime pour mincir, pour avoir la silhouette que je veux. Et là, l'idée, c'est en positionnant certains aliments au bon moment de la journée, tu n'es pas obligé d'être dans la privation, mais tu respectes l'horloge biologique où ton organisme va l'assimiler au mieux, va le brûler au mieux de manière à mincir ou à maintenir ton poids idéal, quoi. Donc ça va être des heures à lesquelles il faut manger certaines choses ou il faut manger à des heures fixes, parce que disons ça peut être contraignant. C'est pas de manger à des heures fixes, c'est de manger des éléments qui vont être plutôt bien assimilés et bien digérés et bien brûlés, on va dire, le matin. Donc le matin par exemple on va conseiller plutôt des protéines, ça peut être du jambon, des œufs, du fromage, un produit laitier associé à du pain, une boisson chaude, donc ça va être intéressant. Ou pain beurre même, hein, parce que le gras, on l'assimile mieux le matin. On l'assimile mieux le matin, exact, comme aussi le fromage. Donc ça va être important. Le midi, on va plutôt conseiller de prendre plutôt des... Je suis entre deux roches, hein, je suis désolée. Vas-y. C'est comme on voit pas tout, mais là, je suis tout seul sur des rochers pour avoir cette magnifique vue sur le jardin des plantes. Veux-tu que je me décale? Non. Regarde, un petit peu, hein, un petit peu, là. Ah oui, oh. C'est mieux. Hein. Oh, mon dos, dis merci. Et écoutez son corps. Du coup, le midi, ça va être plus dans la notion de mettre les féculents le midi, un indice glycémique bas avec des légumes, une protéine, voir si c'est possible de décaler le dessert au goûter, c'est-à-dire que pour les gens qui ont besoin, il y en a qui vont rentrer le soir, qui ont besoin en disant vite le frigo, il me faut quelque chose. Ouais. Donc, il y a des choses qu'on peut prendre au goûter qui ne vont pas obligatoirement faire grossir et qui vont être d'ordre du fromage, n'importe quoi, du chocolat, des fruits. Voilà, des éléments qui vont permettre quand même de se faire plaisir des fois après des journées difficiles sans prendre de poids. Et le soir, on va quand même être sur une notion plutôt protéines-légumes parce qu'on sait que si on amène des glucides le soir, on va avoir un pic d'insuline qui va faire qu'on va stocker pendant toute la nuit, alors qu'écoute, on est 8 heures à jeun, donc c'est le bon moment pour déstocker, quoi. Ouais. Donc, il y a quand même des contraintes, alors. Il y a quand même des contraintes, ça veut dire de positionner certains aliments à certains moments de la journée. Ouais. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans des contraintes professionnelles, dans des contraintes, alors ça va peut-être aussi de jouer sur la quantité. Mais la chronobiologie, c'est vraiment ça, c'est de respecter normalement, de mettre les bons aliments au bon moment en fonction de l'horloge biologique. Ouais. Toi, tu es une naturopathe, et naturopathe, c'est plus sur la prévention des choses, quand même, en amont, non ? Alors, normalement, la naturopathie, c'est ça, tu as raison, c'est faire de la prévention en amont. Sauf qu'on vit dans une société où, actuellement, la prévention, c'est compliqué. Parce que on ne peut pas quantifier, si tu veux. Je fais attention à ma santé, je mange bien, je ne suis pas malade quand j'arrive à un âge avancé. Bon, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la chance de la vie qui fait que... Donc, c'est pas toujours...
quand ça va bien, pourquoi je ferais quelque chose de plus ? Donc, notre rôle de naturopathe, actuellement, il est plutôt aussi dans l'accompagnement des pathologies chroniques, des pathologies aiguës, pour aussi mettre les gens sur les rails de leur bonne santé, alors avec des conseils nutritionnels. Ça peut être un accompagnement de micronutrition, de phytothérapie, ça peut être des fleurs de Bac, des conseils de vie générale pour aussi donner aux gens des outils aussi pour que ça aille mieux à tout point de vue. On est plus dans le curatif et l'accompagnement actuellement de ces pathologies-là que dans la prévention. Ouais. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris mon bâton de pèlerin et que je fais des conférences auprès du grand public pour sensibiliser à cette notion de prévention et donner plein d'astuces pour que les gens ils puissent repartir avec dans leur bagage plein de trucs et astuces qui leur correspondent, qui correspondent aussi à leur vie, à leur rythme de vie, pour être acteur de co-création, être co-créateur aussi de sa santé, de son bien-être. Et j'oriente aussi beaucoup vers aussi vivre la vie qu'on doit vivre, quoi, être en cohérence avec soi-même. Sinon, on sait que ça peut aussi amener des problèmes de santé et que si on met même une bonne alimentation, si on prend de la phyto, si on prend des fleurs de Bac, mais qu'on n'est pas en cohérence avec sa vie, ça ne marchera pas non plus. Donc, Le stress fait beaucoup de dégâts. Il y a plein de personnes qui sont très, très stressées. Il y a un gros mal-être. Quels sont les conseils plus phyto ou plus naturels pas de prévention, mais enfin, au quotidien, à utiliser, des choses à faire. Des choses déjà toutes simples, ça va être la respiration. Parce que... Encore ! On nous en parle tout le temps de la respiration, mince alors ! Arrête de respirer, tu vas voir ce qui va t'arriver dans 3 minutes. Non, c'est vrai que la respiration peut être importante parce que du coup, on va vraiment amener aussi cette détente. Déjà, ça peut être un geste parce que tu peux le faire partout, la respiration. Tu peux le faire dans n'importe quel cadre. Ça ne va pas tout faire, mais ça va vraiment être un travail quand même de plus se relâcher. Après, si tu veux, dans l'alimentation aussi, on a des éléments qui vont jouer sur le stress. C'est-à-dire que ton cerveau, il fabrique 2 choses, la dopamine et la sérotonine. La dopamine, ça se fabrique le matin, ça te donne envie de te lever, ça te donne l'envie de faire les choses, t'as la concentration, la mémoire, les projets, se bouger, c'est grâce à la dopamine aussi. Et la sérotonine va plutôt se fabriquer le soir, et là, c'est l'hormone du bien-être. C'est je prends du recul, je suis zen, tu me dis ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Ça ne se prend pas en tube, ça ? Non, ça ne se prend pas en tube, mais il y a des choses pour ça. Et si tu veux, la sérotonine avec la soirée va se transformer en mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Et ça déjà, si tu veux, si tu manques de dopamine ou de sérotonine, tu seras vulnérable au stress. Tu ne pourras pas être bien dans ta vie. Et il y a des éléments qui vont être importants, comme on bannit beaucoup les protéines animales en disant que c'est mauvais, mais un petit peu de protéines animales, tu vas avoir des acides aminés qui vont servir à cette synthèse de la sérotonine. Les pauvres bêtes, elles sont déjà stressées, elles sont stressées au moment de leur mort. Après, on mange ça, il faut aussi voir d'où elles viennent, ces petites bêtes. Il faut regarder aussi la qualité. Mais après, il faut penser le magnésium dans l'assiette, le fer. Souvent, les femmes manquent de fer. Si tu n'as pas de fer, tu ne fabriques pas de sérotonine, tu ne fabriques pas de dopamine. Tu ne peux pas aller bien dans ta vie, tu ne peux pas avoir envie de faire bouger les choses et de rebondir. Donc ça peut être un élément rien que dans l'assiette. Magnésium, fer, acides aminés comme la tyrosine et le tryptophane, tu le trouves aussi dans les céréales, dans les protéines végétales. Ça va être important déjà de contrôler. Est-ce que dans mon assiette, j'ai les bons éléments pour être bien aussi, pour m'adapter au stress? Ça va être important. Après, en phyto, tu vas avoir les plantes, ce qu'on appelle adaptatifs, comme le ginseng, comme la rhodiole, comme le leutérocoque, qui vont permettre d'une bonne adaptation. Et après, tu as les plantes, l'aubépine, qui est vraiment la plante du trac. Tu as la passiflore qui joue un petit peu sur toutes les ce qu'on appelle somatisation cardiovasculaire, digestif, musculaire à cause du stress. L'hibiscus aussi, moi j'aime bien. L'hibiscus, je le prends en tisane. D'accord. Moi, je connais plus pour tout ce qui est rein, mais je ne savais pas que... Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Au niveau de la tension artérielle, je crois. Mais moi, c'est une plante, on me l'avait offert quand j'avais fait une conférence à Lyon. Et elle ressortait de l'herbologue, cette dame, elle m'a offert ce paquet d'hibiscus rouge, comme ça, que je mets dans des... Et c'est vrai que ça me détend, dis donc. Je reviens pas. Ça, c'est vrai que ça peut être un plus, quoi. Après, tu as la valériane aussi qui va jouer sur le sommeil. Pour les enfants, on a le tilleul aussi qui va être super intéressant. Pas trop ça, il faut mettre du miel. Ça dépend, parce que si tu veux, on a maintenant des concepts de plantes fraîches à qui on a maintenu tous leurs principes actifs et toute leur énergie vitale, si tu veux, qui est sous forme liquide, qui est sans alcool, sans adjuvant, avec des plantes bio, que tu peux associer, c'est-à-dire que tu peux faire des mélanges composés et c'est sous forme liquide, donc tu peux mettre ça avec un sirop pour les enfants, ça passe vraiment très très bien, quoi.
Donc voilà, après, bon, il y a toujours l'activité sportive aussi, si on prend le temps, si on parlait de s'écouter tout à l'heure. Marcher, rien que marcher, tu le disais tout à l'heure, marcher dans la nature, je pense que oui, de se remettre en contact avec, voilà, les énergies de la terre, de la vie, ça peut être aussi un bon moyen de décompresser, quoi. Un petit clin d'œil, une petite parenthèse, Christelle vient de m'interviewer pour son blog, donc si vous voulez voir cette longue interview de Christelle, parce qu'elle avait plein de questions, et on a passé ce bon moment, donc ça aussi ça va être sur ton blog, c'est une petite parenthèse, parce que c'était bien sympathique, hein. Dis donc, t'as une âme d'intervieweuse, toi ! J'aime bien. Alors j'ai interviewé John Gray qui a écrit « Les hommes sont de Mars et de Vénus » là fin juillet, et il parlait justement de ses hormones pour se relaxer. Il disait que la femme avait vraiment besoin de passer du temps pour elle aussi. Rien que le fait de se faire masser les cheveux, d'aller chez le coiffeur, de se faire faire les ongles ou de se le faire elle-même. Enfin ça c'est plus le côté américain, mais de passer du temps, bah, ça chez nous ça faisait tout de suite. Alors que chez un homme, il n'aurait pas les mêmes réactions. C'est vrai, homme-femme, hein, c'est pas le même, la même prescription. Non, c'est pas du tout. Et puis... John Gray, c'est vrai que j'ai pas mal regardé, pas mal lu ses bouquins où il dit, en plus, les femmes, elles ont 10 dossiers ouverts à la fois. Hein, les hommes, ils en ont qu'un. Donc, c'est vrai que, du coup, elles consomment bien plus leur sérotonine. Et le souci, en plus, c'est que, bah oui, le fait de faire des choses plaisantes va permettre de libérer aussi ces neurotransmetteurs. Et du coup, ça participe à aller mieux. Et comme je disais tout à l'heure, les femmes sont souvent carencées en fer. Si tu manques de fer, en plus, tu pourras pas le synthétiser. Donc, tu seras plus vulnérable, plus irritable, plus vite soumis à une pression. Et souvent, on dit les femmes râlent plus souvent, mais c'est que souvent, elles manquent de sérotonine parce qu'elles la surconsomment à avoir 10 dossiers ouverts à la fois, quoi. Eh bien, écoute, Christelle, c'était merveilleux de te retrouver ici à Saint-Nazaire. C'était avec un grand plaisir, franchement, génial. La veille de mon anniversaire, je crois que c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Bon anniversaire. Merci. À bientôt. À bientôt, mes délicieux co-créateurs. Plein de gros, gros bisous de Saint-Nazaire.